tous les terroristes sont à Paris, l'Élysée réagit aux déclarations attribuées à Trump. La présidence française a réfuté les allégations du The Wall Street Journal d'après lesquelles Donald Trump aurait lancé à Emmanuel Macron que « tous les terroristes sont à Paris ». Le président américain, pour sa part, s'en est à nouveau pris aux médias qui diffusent de « fausses informations ». L'Élysée a démenti samedi les propos attribués à Donald Trump par The Wall Street Journal, selon lequel le président américain aurait lancé à Emmanuel Macron au G7 que « tous les terroristes sont à Paris ». Nous démentons fermement. Tout est faux, a commenté l'Élysée à l'AFP. Sur sa page Twitter, le président américain a également démenti les allégations, d'après lesquelles il ne s'était pas entendu avec les leaders du G7 lors du récent sommet qui s'est tenu les 8 et 9 juin au Canada. Les médias, qui diffusent, NDLR, de fausses informations ont affirmé que je ne m'entendais pas avec les autres dirigeants au sommet du G7 au Canada. Ils ont à nouveau tort. Le 15 juin, The Wall Street Journal a publié un article dans lequel les journalistes, en se référant à des responsables européens, affirment que lors des discussions sur les problèmes de l'immigration et du terrorisme, Donald Trump a lancé plusieurs déclarations acerbes à l'encontre de ses partenaires, dont Emmanuel Macron, Shinzo Abe et Jean-Claude Juncker.